Salut les joueurs, nous sommes sur De l'Enjeu et c'est parti pour une spéciale pirate. Alors, petit moussaillon, attention, voilà, coucou, coucou. Voilà, l'accueil de l'enjeu. Hop. Magnifique bateau. Et la salle, donc la grande et immense boutique de Tilt Games. Nous avons beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde ici. Plein de pêcheurs, donc des figurines. Nous avons les héros de Lambert juste à côté. Nous avons les éditions OBA. OBA édition. Voilà, peut-être l'occasion de faire une petite interview tout à l'heure. Frimae, coucou Frimae. Voilà, de la bande dessinée. Bonjour, bonjour. Bonjour. Ça travaille dur. Ouais, ça se déroule, ça se réveille. Hop, je repasse du côté des héros de Lambert, qui sont en grande discussion. Il y a beaucoup de figurines qui font ça, en fait. Bonjour, bonjour. Les canonniers, oui. Voilà, qui sont juste situés là-bas. Bon, on va aller faire un petit tour. D'abord, on passe devant la forge ludique. Je suis passé devant TGMC, je crois. Voilà, toujours aussi beau. C'est Carnage et Biscard. Voilà, toujours aussi beau. Petit zoom sur les figurines. Voilà, c'est magnifique, elles sont superbes leurs figurines. Voilà, Carnage est un jeu d'affrontement. Et Biscard est un jeu de cartes dans le monde des pirates. Qu'est-ce qu'elles sont belles. Allez, allons tout de suite du côté de la Forge Ludique où il nous propose de réaliser le gouffre de Helm. Voilà, coucou la Forge. Bonjour. Et c'est une activité collective. Dans un projet général, on va avoir le gouffre de... On va avoir... Je vais reprendre si tu veux. Donc c'est un projet collaboratif où on invite tous les visiteurs de la convention à participer à la création de ce décor. On vous propose de vous faire découvrir les techniques de base pour réaliser ce type de décor. Donc, avec trois ateliers successifs, on vous propose d'agrémenter cette table en créant des rochers. Donc on va vous les faire fabriquer. Donc au pistolet à colle, hein, voilà, donc avec de l'écorce et des matériaux de récupération. Ensuite, on va vous les faire peindre avec une formule magique qu'on appelle la popote, avec notre popotier qui est là-bas. Et ensuite, ici, on va vous faire ce qu'on appelle le vieillissement. C'est-à-dire qu'on va, là, on va se débrouiller pour rendre tout ça le plus naturel possible. Parce que vous voyez, le rocher qui est là, il n'est pas très naturel. Il a une texture, il a une teinte, mais il n'est pas naturel. Et ensuite, pour arriver à cet aspect-là. D'accord. L'idée, c'est d'arriver à ces aspects-là. Donc, le plus proche de quelque chose qui s'apparente à du naturel. Donc, c'est les mêmes techniques, mais en plus petit, et on vous fait tout découvrir sur l'atelier. OK ? Et l'intérêt, c'est que vous laissez votre nom, et vous devenez un collaborateur de cette maquette qui sera exposée dans une autre convention une fois qu'elle sera terminée, avec les armées qui vont également être peintes sur les sur des différentes conventions. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Très bien, donc j'arrive maintenant sur le stand des canonniers, donc les canonniers de Lille, et là aussi les réalisations sont superbes. Voilà, vous voyez, qu'est-ce que c'est beau. Coucou les canonniers. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, un petit point de vue, excusez-moi, sur le Pandemonium le 5 mai avec les canonniers. Et puis, retour vers la foule. Voilà, il y a du monde. Beaucoup, beaucoup de monde. Ça joue de partout. Ça joue beaucoup, beaucoup. Alors, allez, on progresse. On progresse, coucou, coucou. Voilà, on arrive sur les quatre chemins. Voilà, la librairie des quatre chemins, Christophe. Nous avons Antoine Candeuil qui est en train de dédicacer donc l'un de ses romans. Et Juliette Amadi, coucou Juliette. Voilà, coucou, coucou. Donc de magnifiques illustrations. C'est joli, hein.
Oui, très 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 joli. Pour arriver sur Artiludis, donc tous les objets en cuir avec j'avoue que cette bourse des vins est assez jolie. Voici Artiludis en personne. Coucou coucou. Et là, tout le monde qui attend, car il va y avoir bientôt un conte. J'ai cru entendre tout cela. Allez, on continue la vision du salon. Nous sommes ici sur le stand de la boutique Teal Games, où l'auteur de Cats n'est point là, mais nous avons fait une interview tout à l'heure. Donc, ce sera l'occasion de le retrouver sur la chaîne. Et voici Nicolas, donc auteur du Retour d'Ascan. Voilà, coucou. Nicolas et Thomas qui est ici en train de dédicacer. Voilà, voilà. Coucou. Alors, le stand bien fourni de Teal Games. Je continue. Voici donc prototype, illustration, joueur. Tout le monde est là. Nous avons deux associations, les dégommés et les trolls et farfadés. Tout l'univers du jeu sur toutes ses formes. Et tout cela, c'est le salon, bien sûr, la petite buvette qui va bien. Je fais un tour de caméra. Voilà, c'est la magie. Petit tour de caméra. On se retrouvera bientôt donc sur le salon de l'enjeu. C'est encore demain, c'est-à-dire aujourd'hui quand vous verrez cette vidéo. Allez, salut les joueurs!